Bonjour à toutes et à tous. Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, m'a donné son accord pour organiser des cycles de conférences mémorielles dans le cadre de la délégation qu'il m'a confiée. Nous avons choisi l'an dernier de vous proposer notre premier cycle de conférences en prenant comme thème la résistance, avec le concours du Souvenir français du 17e arrondissement. Sur le plan de l'histoire de France, notre pays a connu plusieurs résistances depuis des siècles. Sur le plan mémoriel, la résistance est célébrée dans des cérémonies commémoratives, et notamment le 8 mai, le 18 juin et le 25 août. Ce devoir de mémoire est essentiel à la vie collective. Léon Bourgeois en a été l'un des inspirateurs, ayant inventé le quasi-contrat, ce contrat non signé, mais qui s'impose aux nouveau-nés, devant rembourser tout au long de leur vie les dettes qu'ils ont contractées envers la société et leurs parents. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du confinement et nous sommes également le lendemain de cette très grande manifestation pour les policiers. Nous avons invité Mme Soli, professeure émérite de sociologie à Sorbonne, pour réfléchir à ce thème « résistance, résilience » d'un point de vue sociologique. Monsieur le professeur, vous avez été l'élève de Gilbert Durand et de Julien Freund. Vos études touchent à de nombreuses problématiques, mais notamment la question sur le lien social communautaire, la prévalence de l'imaginaire et de l'émotion, la réflexion sur l'espace et le nomadisme, la violence fondatrice, la société conflictuelle et le mythe de Dionysos comme un désordre régénérateur. Vous avez été récompensé pour vos réflexions par le Grand Prix des sciences humaines de l'Académie française en 1992 pour la transfiguration du politique. Nous sommes ici en mairie, ce n'est pas par hasard. Alors citons quelques-uns de vos ouvrages. Le temps des tribus, qui était un immense ouvrage il y a plus de 30 ans. Le trésor caché, la parole du silence, qui est un merveilleux livre, il m'a beaucoup ému. Le réenchantement du monde, il en faudrait beaucoup aujourd'hui. La nostalgie du sacré est également un très beau livre. Et vous venez de publier L'ère des soulèvements. Quelle opportunité! Vous êtes, cher Michel, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, et nous sommes toutes et tous impatients de vous écouter sur ce thème que nous avons choisi aujourd'hui, résistance, résilience. Bien, cher ami, vous remercierez tout d'abord le maire pour cet accueil et la possibilité de faire cette conférence qui, si j'ai bien compris, sera essentiellement via l'informatique, à bien des égards. Et je vous remercie également, cher Michel Thierryou, de cette invitation. J'ai précisé de suite que je n'étais pas historien et je n'ai pas du tout spécialiste de la résistance dans le sens historique du terme. Hein, voilà, je tiens à le dire. Hein. Mais le titre, parce qu'il n'est pas de moi, ce titre, c'est vous qui me l'avez imposé. En tout cas, j'ai vu qu'à un moment donné, ce titre apparaissait. Donc, j'aime bien ça, moi, quand on me force la main, d'une certaine manière. Résistance et résilience, ça me convient. Hein, ça me convient. Mais bien évidemment, je demande votre indulgence. Étant entendu, vous venez de dire le mot. Enfin, dans le fond, faire une réflexion un peu général sur l'idée même de la résistance et également, bien sûr, de cette thématique de la résilience qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce que cela va être d'un point de vue sociologique? J'en sais trop rien parce que je suis à la retraite maintenant. Enfin, on dit poliment professeur émérite à la Sorbonne. Donc, mais c'est une manière de dire à la retraite. Et d'ailleurs, de toujours, j'ai été interviewé ce matin par une radio, je rappelais qui me traitait de sociologue, en fait, je suis plutôt un rêveur du social. Voilà, une espèce ou alors, si je le dis d'une manière un peu plus vulgaire, un renifleur du social. Hein, c'est-à-dire, en quelque sorte, essayer de sentir, puisque j'y reviendrai, vous avez employé le mot, ce qu'il en est de ces mutations de l'imaginaire, hein, qui restent à bien des égards, et cela, je l'ai appris de mon maître Gilbert Durand, qui est un auteur qu'il faut connaître. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, résistance et résilience, permettez-moi tout de même de
de rappeler quelques banalités, hein, un peu des, ces banalités de base. Je dis très souvent, chaque fois que je fais une conférence, il me paraît important de le dire et de le redire, parce que, dans le fond, notre, si je puis le dire ainsi, notre cerveau reptilien, hein, la culture, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, dans le vrai sens du terme, c'est ça la vraie culture, finalement, ce qu'on intègre sans bien y faire attention, repose sur une conception linéaire de l'histoire. Hein, l'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arriverait inéluctablement à un point B de civilisation absolue. C'est ce qui a... Alors, c'est une conception linéariste, hein, c'est ça, cette espèce de construction qui, d'ailleurs, s'est véritablement élaborée philosophiquement au XIXe siècle, et je rappelle de ce point de vue, on n'y est pas attentif à ce que fut la philosophie de Hegel, hein, qui s'appelait philosophie de l'histoire, mais de l'histoire avec un grand H. Hein. Préalablement, il y avait de l'historiographie, hein, c'est-à-dire qu'on notait les hauts faits des grands de ce monde. La philosophie de l'histoire avec Hegel montre bien ce que je viens de dire, cette espèce de linéarisme inéluctable en quelque sorte, qui va donner, dans le fond, ce qui est la grande idéologie moderne. Quand je dis moderne, pour moi, c'est-à-dire ce qui commence avec le XVIIe, ce qui, de mon point de vue, s'achève à la moitié du XXe siècle, le mythe du progrès. Et c'est ce progressisme qui est actuellement une incantation fort ennuyeuse de mon point de vue, considérant qu'on ne peut pas dépasser le progrès, alors que le progressisme benêt, parfois destructeur, et on a pas mal d'exemples de saccage écologique qui le montrent, n'est peut-être pas la fin de tout. Donc moi, au-delà de ce progressisme, j'y reviendrai, je dirais justement par rapport à la mémoire, ce qui mérite d'être souligné, j'allais dire contre ce progressisme, si je prends une expression qui m'est chère de Joseph de Maistre, le bon sens et la droite raison réunies. Hein, bon sens et droite raison, eh bien fait que quand on observe sur 2000 ans de temps, on se rend compte qu'au-delà ou en deçà de ce linéarisme, il y a des époques. Hein. Moi, j'insiste beaucoup sur ce mot « époque ». En rappelant l'étymologie d'ailleurs, « époque » en grec, ça signifie « parenthèse ». Donc, ce pour dire qu'une parenthèse est en train de se fermer, une autre parenthèse est en train de s'ouvrir. Et cela est important d'avoir à l'esprit. Alors, cela dit, le fait qu'il y ait des... Donc voilà, ma premier point, première banalité qu'il convient encore une fois de rappeler, au-delà de ce qui est notre idéologie dominante, eh bien, soyons attentifs au fait qu'il y a des époques. Ça veut dire qu'il y a à la fois, vous voyez, de... Comment dire? Et ça, c'est très important pour ceux qui vous préoccupent le mémorial. Il y a à la fois de l'impermanence et de la continuité. Impermanence de certaines formes, de certaines institutions, dans le sens du terme, le simple du terme, hein, ce qui s'est institué, ce qui est stable, et en même temps continuité de la vie. Voilà mon dada, hein, je dirais théorique, ce à quoi je rends attentif, ce qui m'amène à dire d'une manière fort simple, et j'ai vu que ce terme est de plus en plus repris et c'est heureux, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà. Et encore une fois, banalité, hein, mais des choses qu'il convient de dire et de redire. Si je le dis d'une manière un peu plus savante, Ballanche, au XIXe siècle, grand ami de Chateaubriand, parlait de palingénésie. Palingénésie, ça veut dire en grec pareil, hein, une genèse à nouveau, hein, en quelque sorte. Et en botanique, je me suis renseigné là-dessus, en botanique, c'est une plante qui renaît à partir de ses cendres. Hein, et je trouve que c'est une belle image, en quelque sorte. Puis nous connaissons, bien sûr, le mythe du phénix qui repose exactement sur quelque chose de cet ordre. Voilà mon premier point qui me paraît important parce que c'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre le retour de la mémoire. Voilà. Alors que dans le fond, ce qui était le propre du progrès, ben, c'est qu'on allait dépasser tout ça. Je rappelle une phrase qui fut une phrase de ce bon connaisseur du XIXe siècle, que Karl Marx, mais qui malheureusement continue à influencer beaucoup de gens, de gauche et droite continue. Marx avait une très belle formule, il disait « l'esprit de la ville rend libre ». Et c'était le déracinement qui était en jeu, hein. C'était véritablement s'arracher de la mémoire. Et dans cette petite phrase de rien du tout, « l'esprit de la ville rend libre », on a là ce qui va être la grande idéologie progressiste. Hein. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut se détacher des racines
il faut se détacher de ceux qui viennent avant nous, etc. Alors voilà, à partir de le deuxième point important, et c'est cela l'imaginaire, c'est que dès le moment où on s'accorde sur le fait qu'il y a des époques, ben il faut les mots changent. Il faut trouver des mots qui soient en pertinence avec ces époques. Et dans le fond, l'imaginaire, c'est cela. Souvenez-vous d'ailleurs de cette formule, on l'a dit à tire-larigot, mais elle est fort juste, d'Albert Camus. Mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Quand Camus prononce cette phrase, il raconte l'histoire de l'Empire chinois qui est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage, et c'est là où le sage lui dit « il faut s'asseoir et trouver les mots pertinents ». Et c'est là où il y a cette formule « nommer les choses contribuent au malheur du monde ». Ce qu'on dit moins d'ailleurs, c'est que, c'est une petite parenthèse mais qu'il faut qu'on vienne d'avoir à l'esprit, c'est que Camus, de suite après cette formule, rappelle une expression de Platon dans La République. Quand il y a dégénérescence de la cité, c'est-à-dire quand quelque chose est en train de cesser, il parle de la fraude aux mots. Et on pourrait l'appliquer à des quantités de phénomènes actuels sur la fraude aux mots, où des gens utilisent des mots l'un pour l'autre, etc., d'une manière qui est peu pertinente. Alors voilà, l'imaginaire, ce n'est pas autre chose que cela. C'est-à-dire repérer, rendre attentif, dans le fond, à ceux qui, à un moment donné, les rêves, les fantasmes, les fantasmagories, les fantaisies, peu importe les termes, si vous voulez. Et c'est cela, l'imaginaire. Dans le sens simple du terme, moi, je rappelle, à la suite de mon maître et ami Gilbert Durand, que c'est précisément une atmosphère, un climat. Comme on est déterminé par un climat stricto sensu, on est aussi déterminé par un climat dans lequel on baigne, spirituel, j'entends. Et l'imaginaire n'est pas autre chose. Ce sont ces rêves collectifs. Nietzsche avait cette belle formule, moi, qui m'a toujours fait rêver, pour rendre attentif à ce qui est vaporeux et non moins important. Il dit « Celui qui veut porter la foudre doit longtemps rester dans les nuages ». Et je trouve que c'est important de rester dans ces nuages, justement, qui caractérisent, encore une fois, cet imaginaire évanescent et qui pourtant, en profondeur, anime quelque chose qui est le propre même, en quelque sorte, de la vie sociale. Je trouve que c'est important d'avoir cela à l'esprit dans un moment où encore continue à régner ce matérialisme qui a pris naissance au XIXe siècle, l'économicisme sous ses diverses modulations. Et je l'ai dit il y a un instant, l'œuvre de Marx est cela même qui est le fondement de ce matérialisme fondamentalement. Et qu'à l'opposé de ce matérialisme, eh bien, il faut, je dirais, repérer quel est le rapport qui existe entre le visible et l'invisible. L'imaginaire, ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire, on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. Souvenez-vous, on se souvient de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et il y a des quantités d'expressions de cet ordre qui rendent attentif à cela. À partir de ces petites précautions d'usage, et là, pour moi, c'est un de mes dadas. Encore, j'en ai quelques-uns comme ça, des dadas théoriques. Quand on est vieux, il faut les exprimer, ne pas avoir peur de les dire. Et un de mes dadas, c'est de ce que j'appelais d'une manière un peu plus soutenue quand j'étais jeune, la centralité souterraine. C'est-à-dire voir en quelque sorte la loi du secret. Puisque vous avez cité mon livre « Le temps des tribus », un des chapitres, c'est sur la loi du secret. C'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, ne s'affiche pas de prime abord. Et j'étais inspiré en cela par un philosophe de Strasbourg, enfin un philosophe allemand du temps où Strasbourg était une ville allemande, une université allemande, Georg Simmel, qui disait « Quand il y a des changements d'époque, il faut être attentif à ce qu'il appelait bellement le roi clandestin de l'époque. » Le roi clandestin, c'est-à-dire il ne se voit pas, mais je dirais qu'au-delà ou en deçà de celui qui apparemment régit le pays, la cité, etc., il faut repérer ce roi clandestin. Pour moi, c'est important, c'est ça la centralité souterraine. C'est ça véritablement le fait qu'à côté de la société officielle, il y a une société officieuse, très souvent représentée d'ailleurs par les jeunes générations, j'y reviendrai, c'est curieux, qui d'une certaine manière sont porteurs d'abord de l'avenir,
de la société de demain, soyons clairs, et en même temps, de mon point de vue, déjà de la société d'aujourd'hui. Voilà un peu les quelques petites précautions, si vous voulez, qui me paraît important d'avoir à l'esprit pour saisir, alors, voilà, la mutation de valeur, moi qui me paraît être en jeu. Et il est vrai que ce mot de résilience, et je dirais dans un second temps de résistance, participe à justement cette mutation de l'imaginaire. Voilà. Alors, restons sur le premier point, résilience. Il y a des manières un peu faciles et un peu trop simples hein, de parler de la résilience. Certains psychologues s'en sont fait, en ont fait leur marque de fabrique. Moi, je pense qu'au-delà de cela, il y a quand même un effort de pensée. D'ailleurs, de toute façon, en général, je vous prie de m'excuser, je dis toujours qu'il faut, de quelque manière que ce soit, d'ailleurs, il faut éviter la facilité et faire un effort de pensée, surtout actuellement. Hein. Fermez la télévision et ouvrez les livres, si je le dis d'une manière fort simple, pour éviter, permettez-moi d'employer ce mot, on dit la langue de bois, hein, c'est la xylololi, hein, c'est-à-dire la langue de bois, c'est-à-dire ce qui revient régulièrement, qui est, on pourrait dire, le patois intellectuel, en quelque sorte, hein, ou le patois de l'idéologie, qui, d'une certaine manière, ne permet pas de saisir et de comprendre ce qui est vécu. Voilà. Et donc, de ce point de vue, dans ce changement de valeur en jeu actuellement, la résilience est un élément important pour bien comprendre cette mutation, pour moi, sociétale, hein, si on reprend ce gros mot, qui arrive chaque 3 ou 4 siècles, quand une époque s'achève. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce qui est le cœur battant de la résilience, et je vais vous paraître un peu paradoxal, c'est le respect. Et j'aime bien, vous le savez, l'étymologie, respicere, ça veut dire regarder en arrière. Et donc, une autre manière, dans le fond, de dire la tradition. Hein, encore une fois, tradare, ce qui a été donné, il faut le transporter. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment ce mot de respect est un mot qui est fréquemment employé par les jeunes actuellement, et en particulier des jeunes de banlieue, fût-ce des racailles, si vous voulez, qui parlent de respect. Et je suis sûr qu'en utilisant ce terme de respect, ils ont certainement à l'esprit ce que je viens de dire, c'est-à-dire quelque chose qui fait que d'une certaine manière, on ne peut pas simplement se contenter d'une conception purement, j'ai dit, tournée vers l'avenir, mais qu'il y a nécessité de savoir, hein, je reviens sur ce mot, regarder en arrière la tradition. Disons-le en des termes un peu plus soutenus, je rappelle ici, puisque vous m'avez qualifié du titre de sociologue, hein, donc je vais quand même être un peu sociologue, pas beaucoup, mais mon compatriote, un fou génial que j'aime beaucoup, qui est Auguste Comte, puisque c'est lui qui a créé le mot de sociologie, hein, je le rappelle, au XIXe siècle. Hein, et je dis un fou génial parce que c'est un auteur que l'on ne lit plus, malheureusement, alors qu'il a beaucoup à nous apprendre. Encore tout à l'heure, je passais rue Monsieur le Prince devant l'appartement qui est le sien, et qu'on peut visiter, pas actuellement, mais qu'on peut généralement visiter, et qui est un appartement très traditionnel. Et la formule classique d'Auguste Comte, je vous la rappelle, en quelque sorte, les morts gouvernent les vivants. Et dans cette petite phrase de rien du tout, si vous voulez, les morts gouvernent les vivants, on a très précisément ce respect cher, hein, ce respect. Hein, et je dis que cette phrase, il y en a bien d'autres de contes là-dessus, si vous voulez, pour montrer en quelque sorte la nécessité des racines, précisément. Et soyons clairs, quand il a cette proposition « les morts gouvernent les vivants », c'est très précisément pour souligner ce qu'il va appeler par après le sentiment d'appartenance. C'est fort comme expression. C'est-à-dire que, dans le fond, pour le dire en d'autres termes, puisque j'ai dit c'est lui qui créa ce terme de sociologie, bien, c'est être ensemble, c'est ça la vie sociale, être ensemble. Donc, sentiment d'appartenance repose effectivement à partir de ces racines qui nous viennent de cette idée forte, bien sûr, hein, les morts gouvernent les vivants. Et dans le fond, je dirais que pour moi, c'est cela le mémoriel, essentiellement. Vous voyez, c'est pas neutre et c'est lourd de conséquences. Hein, mais encore une fois, rappelez-vous, hein, c'est ce qu'on avait oublié. En fonction, encore une fois, de cette espèce de course en avant
du progressisme, on avait oublié qu'il y avait cette espèce de nécessité, encore une fois, de racines et d'enracinement. Voilà le premier aspect du mot résilience. La deuxième caractéristique, là encore, ça m'a paru étonnant, mais je le dis, c'est la pudeur qui est liée à cette résilience. La pudeur dans le sens, bien sûr, puisqu'il y a un des grands, très très grands philosophes grecs qui en a parlé, qui est Parménide. Et quand Parménide, parle de la pudeur, c'est tout simplement, et c'est cela ce qui est intéressant, être dans le ton, la retenue. Vous voyez, c'est-à-dire, le terme de retenue, on traduit, je ne vais pas donner le mot grec, mais retenue, qui est le fondement même de cette pudeur, qui est, dans le fond, ce sur quoi repose, montre-t-il, la vertu. Soyons clairs, hein, le mot vertu, maintenant, c'est un peu abattardé. Mais dans la tradition gréco-latine, le mot vertu, c'est la force, hein, la virtu. Hein, Machiavel, d'ailleurs, de son côté, j'y reviendrai, en parle. Mais il y a dans cette idée de vertu quelque chose qui n'est pas simplement un petit côté anodin, hein, quelqu'un qui est de bonne vertu, etc. Non, c'est ce qui... quelqu'un qui est animé par une force interne. Et là, en la matière, chez Parménide, quand il fait cette liaison entre dans le fond, quand il montre à bien des égards que le propre de la retenue, c'est la pudeur, vous avez compris, quand il dit retenue, c'est-à-dire ce qui me relie à d'autres. Alors, moi, j'ai traduit cela, être dans le ton. Enfin, ça, c'est un peu trop facile. Mais enfin, là, encore une fois, une manière de traduire l'être ensemble, pour moi, c'est-à-dire, en bref, la vie en société. Donc, encore une fois, quelque chose qui nous renvoie aux racines. Et troisième et dernier élément de cette résilience, c'est... une proposition que je fais. Là encore, c'est une de mes obsessions théoriques. C'est que la résilience nous renverrait à la discrétion, mais dans le sens étymologique et fort du terme. Hein. La discrétion, on a traduit ce terme philosophique du Moyen-Âge par le mot discret ou discrétion. En fait, ça veut dire le discernement, essentiellement. Hein, c'est-à-dire cette capacité de sous-peser, de savoir ce qui mérite d'être reconnu. Et ce, à bien des égards, justement, contre la jactance, contre la suffisance, contre l'arrogance, hein, qui très souvent prévaut dans les débats. Et là, je dirais que voilà pour moi ma chaîne sémantique concernant cette résilience, à la fois le respect, la pudeur et la discrétion, dans le sens que je viens de donner à discrétion, c'est-à-dire cette capacité de discerner ce qui mérite d'être retenu et ce qui, bien évidemment, doit être rejeté. Et en la matière, la conjonction de ces trois éléments renvoie à quelque chose, moi, qui est au cœur même du mémorial, c'est respecter le mystère. Voilà. Alors que, justement, le mystère, moi, j'ai toujours appelé, hein, mysterium, mythe, puisque j'ai commencé par là tout à l'heure, c'était au cœur de l'imaginaire, c'est ce qui unit des initiés entre eux, ce qui les rend muets par rapport à l'extérieur. Et ce qui unit des initiés entre eux, c'est le partage d'un mythe, c'est le partage du mystère, mais à bien des égards, c'est justement cela, hein, qui est au cœur même, encore une fois, de cette résilience. Voilà, je ne vais pas aller plus avant, mais respect, pudeur, discrétion, hein, dans le sens étymologique de ce terme discrétion. Si je le traduis en des termes, j'allais dire, plus contemporains, pas tout à fait, puisque je les emprunte ici à Max Weber, c'est ce qui va donner l'aspect charismatique du lien social. Le charisme, c'est ce qui... la crème, hein, puisque créma, ça veut dire... charisme vient de créma, hein, c'est-à-dire la crème, ce qui fait que ça colle, en quelque sorte, hein, si je le dis de manière un peu vulgaire. Et le caractère charismatique du lien social, ben oui, c'est ce fait comme ça où on va se lier à l'autre à partir des racines que je viens ici d'indiquer, et pas simplement, ainsi que je le rappelais, de ce progressisme bené. Peut-être est-ce là, d'ailleurs, ce qui est le propre même de l'humanisme intégral, de mon point de vue. C'est-à-dire, je dis bien humanisme intégral, c'est-à-dire cette capacité, alors si on le dit en des termes un peu plus contemporains, cette capacité d'avoir une espèce de vision beaucoup plus holistique du monde, hein, holos, hein, c'est-à-dire le fait que ça rassemble et ça tient. Voilà en quelque sorte en quoi la résilience permet cet aspect charismatique, hein, que ça tienne.
hein, qu'il y ait de la crème, si je puis dire, dans le sens, encore une fois ici, weberien du terme. Et c'est le refus de cela, dans le fond, qui va entraîner ce désaccord, et ça sera mon second point, ce désaccord contemporain, et c'est en effet ce que j'ai développé dans divers de mes livres, « La faillite des élites » et le dernier, « L'ère des soulèvements en cours », le désaccord entre l'élite et le peuple. C'est intéressant de voir comment, pour cette élite, le peuple, le mot « peuple » même est un mot qui fait peur, hein, et que fréquemment, on utilise à la place le populisme, voilà, comme étant une manière de mépriser le peuple fondamentalement, alors que, là, permettez-moi d'être thomiste, puisque saint Thomas d'Aquin me paraît un grand penseur, hein, « omni autoritas a populo hein, »,« toute l'autorité vient du peuple ». Et que c'est à partir de là, bien sûr, qu'il peut y avoir délégation, éventuellement représentation, dans le sens démocratique du terme, mais que... Or, ce que je veux dire par là, c'est que, justement, le peuple est enraciné dans cette tradition que je viens ici d'indiquer. Et qu'il y a actuellement un vrai décalage, alors, désaccord, entre l'élite et le peuple, et pour tout dire, et ce sera cela le second point que vous m'avez imposé, c'est cela même qui va conduire à la résistance. C'est parce qu'il y a cette espèce de désaccord, si je me fais bien comprendre, c'est que ce peuple, cette élite a oublié les racines, a oublié ce que j'ai dit, respect, résilience, sous ses diverses pudeurs, etc. Et une des manifestations de cet oubli de la pudeur, voyez-vous, c'est, comment dire cela, la théâtralisation du politique, par exemple, où il n'y a pas de pudeur. On voyait ce matin sur les réseaux sociaux un locataire actuel de l'Élysée prenant un café avec un Premier ministre. Vous voyez, je veux dire, voilà, la théâtralisation, si vous voulez, qui est scandaleuse à bien des égards et qui renvoie à ce que Platon disait au paragraphe 555 de la République. Quand il y a dégénérescence, il y a théatrocratie. Vous voyez, la le mot théatrocratie dit bien ce que ça veut dire, hein, le pouvoir du théâtre, etc. Et cette théâtralisation, pourquoi je dis cela ici? Eh bien, c'est parce que c'est le manque de pudeur. Hein. La théâtralisation repose essentiellement sur ce manque de pudeur que je disais et que je soulignais il y a un instant. Et c'est par rapport à ce manque de pudeur, par rapport à cette théâtralisation et théâtrocratie, avec des côtés, vous voyez, comme ça, le propre de la théâtralisation. C'était mon regretté ami, j'ai deux amis qui avaient parlé de ça, c'est Guy Debord, la société du spectacle, et mon regretté ami Jean Baudrillard, hein, qui a parlé du simulacre. Et ces deux prophètes, au travers des deux mots que je viens ici d'indiquer, mettaient bien l'accent sur cette société du spectacle, et le politique est devenu spectacle. Et c'est là, je dirais, le manque de pudeur. Et je pense que c'est contre cela, si vous voulez, qu'il y a résistance. Voilà. Et mon hypothèse, c'est, dans le fond, ce refus de... Et dans mon petit village, où je vais souvent, mon petit village de Stevenhold, fréquemment, j'entends cette idée-là, contre la théâtralisation, si vous voulez. Alors, il n'emploie pas les mots que j'emploie, qui sont des mots compliqués, bien sûr, mais la réalité de leur préoccupation, c'est la même. Cause toujours, tu m'intéresses. Voilà, si je le dis de manière un peu plus vulgaire, ou encore, reprenant une phrase, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps, de ce génial théoricien qu'est Raymond Devos, « Quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Vous voyez, pardon, des éléments de cet ordre qui sont à la fois vécus populairement, mais qui traduisent la méfiance vis-à-vis, bien évidemment, de la théâtralisation. Et la résistance, elle est là. Je vais donner, il y a des quantités d'exemples, mais pour moi, les racines de cette résistance, elle paraît régulièrement quand il y a ce décalage, quand il y a cette théâtralisation, quand il a la dégénérescence de la démocratie, hein, si je reprends les expressions platoniciennes que je citais il y a un instant. Deux exemples, moi, qui m'ont toujours frappé. Une, je le dis en latin, la sécessio plebis. On se souvient quand le peuple fait sécession, hein, c'est-à-dire qu'il va se retirer sur l'Aventin parce qu'il ne se reconnaît plus dans le Sénat. Et d'ailleurs, c'est compliqué. Hein, après, pour le faire revenir travailler, ce n'est pas chose aisée. Hein, et l'histoire le montre. Mais cette sécession plébis, moi, m'a toujours fasciné. Et en tout cas, elle est riche d'instructions pour nous. Je dirais que c'est le cœur battant de la résistance. Et que l'on voit régulièrement réapparaître dans les histoires humaines. Le deuxième exemple, alors celui que je viens de dire, il faudrait le disserter jusqu'à plus soif.
je l'indique juste pour mémoire. Le second, je l'emprunte là aussi à Machiavel, hein, quelques siècles plus tard. Machiavel, et j'y pense chaque fois que je vais à Florence et qu'on voit le Palazzo Vecchio, vous le voyez bien, hein, et il fait cette distinction entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Voyez, et on le repère, pour ceux qui connaissent la ville, rien que voir cette place, je dirais visuellement, traduit bien. Moi, il m'est arrivé de faire des conférences dans le Palazzo Vecchio, invité par le maire de Florence, et je rappelais cette formule de Machiavel à ce pauvre maire qui n'en pouvait mais. Mais peu importe. Donc, ce pour dire, en quelque sorte, que voilà les deux exemples marquant très fortement le fait que régulièrement, il y a des résistances de cet ordre. Alors après, ça prend les formes historiques qui sont plus de votre spécialité. Moi, vous avez compris, c'est d'un point de vue complètement anthropologique que j'essaie de montrer de quelle manière cela se passe. Et très précisément, je le théorise d'une manière un peu plus forte maintenant dans ce livre d'humeur qui s'appelle « L'ère des soulèvements ». Je dis bien, c'est un livre d'humeur, hein, comme ça, un vieux cacochime qui maintenant a envie de dire des choses. Hein. Il faut que les humeurs sortent, en quelque sorte. Le vieux tonton, hein, donc, que l'on écoute à la fin d'un repas. Pour, les racines qui parlent. Voilà, pour dire un peu un certain nombre de choses et qui traduisent pour moi essentiellement le processus régulier de la résistance populaire, voilà, hein, qui fait qu'à un moment donné, le peuple rappelle qu'il est à la base de l'autoritas que j'ai cité il y a un instant. En latin, le mot autoritas, ça veut dire ce qui fait croître. Par exemple, un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées. Et l'idée d'autoritas, quand saint Thomas d'Aquin parle du peuple comme étant l'autoritas, c'est véritablement ce qui va faire croître l'être ensemble, la vie ensemble. Alors, je vais donner ces deux exemples. Revenons 5 minutes à l'actualité. J'ai été interviewé il y a 2-3 jours par Il Periodico de Madrid qui me questionnait sur cet anniversaire des 10 ans des Indignados. Hein, je ne sais pas si vous en souvenez. Hein, ce soulèvement madrilin il y a une dizaine d'années qui a donné énormément qui a été, très, de mon point de vue, très important, les indignés. Et dans le fond, dans ces Indignados, dans ces indignés, eh bien, il y a eu le début, je dirais, pour moi, de ces soulèvements. Alors après, ça a été peut-être, vous en souvenez, les fameux partis pirates qui se sont créés ici ou là, un peu partout en Europe, mais qui représentaient exactement ce que j'ai dit sur la sécession plébis, hein, le peuple qui fait sécession. Alors, c'est là, et de mon point de vue, et j'y consacre dans ce dernier livre 2 ou 3 chapitres, les gilets jaunes, bien évidemment. Sans oublier les contemporaines insurrections de Birmanie à la Colombie actuelle. Et on en trouverait, s'il y a discussion, je donnerai d'autres exemples un peu partout, de par le monde. Nombreux sont les processus insurrectionnels actuellement, comme toujours, pour le meilleur et pour le pire. Quand une époque s'achève, soyons clairs, moi, je n'ai pas envie de donner des brevets à tel ou tel de ces soulèvements, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont là, au niveau du constat, hein, je dirais, là, sociologique. Et alors, ce qu'on oublie et ce que curieusement, actuellement, les journaux officiels en parlent très peu, ben c'est les grands soulèvements juveniles, hein, les carnavals ici ou là, les rassemblements musicaux importants, si vous voulez, qui, de mon point de vue, sont les prémices d'insurrections multiples à venir, ou peut-être même, employons ce mot, révolution. Non pas révolution dans le sens habituel du terme, mais dans le sens latin. Revolvere, hein, c'est-à-dire ce qui voit revenir ce que l'on avait cru oublier, en quelque sorte, ce qu'on pensait oublier, et très précisément quelque chose qui est de l'ordre de la tradition. Voilà, si vous voulez, pour moi, et je conclue, le déphasage entre l'élite et le peuple qui de plus en plus va s'exprimer au travers des éléments que je viens ici d'indiquer, et à mon sens, qui vont certainement se soulever. Royer Collard, qui était un philosophe, un politique du XIXe siècle, hein, 1840, avait une très belle formule qu'on a oublié qu'elle était de lui d'ailleurs. Par après, on l'a attribuée à Auguste Comte ou à Charles Maurras. Mais pays réel, pays légal. Hein, c'est Royer Collard qui, le premier, si vous voulez, à 1845,
proposé cette distinction. Et donc, dans le fond, c'est quelque chose de cet ordre que l'on voit actuellement. Voilà. Et donc, cela, régulièrement, suscite des formes de soulèvement, des formes de résistance, et en quelque sorte, va renvoyer à ce que des bons économistes ou sociologues comme Vilfredo Pareto appelaient la circulation des élites. Circulation des élites, moi qui me paraît être en jeu actuellement et qui va certainement et à bien des égards se développer. Le mot final, si vous voulez, c'est l'oxymore qui a guidé toute mon œuvre depuis une quarantaine d'années, et c'est cette idée d'enracinement dynamique. Et voilà un peu cet oxymore qui, dans le sens rhétorique du terme, c'est-à-dire, dans le fond, la plante humaine se souvient, comme toute plante, qu'elle a besoin de racines pour croître, et que le mémorial n'est pas autre chose. Le retour de la mémoire au-delà du progressisme n'est pas autre chose, c'est que ce que certains, à juste titre, appellent la philosophie progressive. La philosophie progressive repose essentiellement sur cet enracinement dynamique, c'est-à-dire finalement, comment dire, non plus la flèche du temps progressiste, non plus simplement donc hegelien et marxien, non plus simplement le cercle nietzschéen un peu réactionnaire, mais pour moi ce que j'appelle la spirale. Et l'enracinement dynamique, c'est la spirale, c'est-à-dire voir revenir, pas exactement au même niveau, c'était ça mon temps des tribus, quelque chose qui est archétypal, qui est indépassable, ce qui est de l'ordre de la mémoire. Le propre, étymologiquement, cet enracinement dynamique, une fois, renvoie très bien à cela. Les racines, dynamis en grec, ça veut dire la force. Les racines donnent de la force. Et c'est ce qui me paraît être en jeu dans toute forme de résistance. Voilà, cher ami, ce que je pouvais livrer à votre réflexion. Monsieur le professeur, vous nous avez donné beaucoup ce soir à réfléchir sur à la fois l'époque actuelle, les mouvements que nous discernons, et puis sur la réalité humaine. Parce qu'en fait, votre vrai sujet, c'est comment l'homme peut-il vivre, et surtout vivre sans oublier sa finitude. Ah, oui. Parce que cette époque de Covid nous ramène à notre réalité profonde, puisqu'on a vécu, on va certainement connaître d'autres époques, de confinement. Alors, par rapport à cette situation, est-ce qu'on voit émerger une vraie résistance? Parce qu'une résistance qui réussit à transformer les situations. C'est, je pense, ce qui est vraiment le plus intéressant. Alors, je vais passer la parole à nos invités pour vous poser quelques questions pertinentes, bien entendu. Bien évidemment. Non, mais je réponds. Donc, dans un laps de temps restreint, à 8 heures, je m'en vais. Très bien. Donc, qui souhaite prendre la parole? Brigitte. Tu me laisses un peu de temps, s'il te plaît. Alors, je pose la deuxième question. Alors, voilà. On fera la première après. Cher Michel, merci. Entendre la profondeur de vos oxymores approfondit toujours, effectivement, le bien-être de notre pensée. Michel Perrigo a démarré son propos en citant Léon Bourgeois, dont je n'oublie pas non plus qu'il n'a pas inventé que le solidarisme. C'est lui qui a inventé le solidarisme. Absolument. Et je trouve que c'est une notion qui aurait aujourd'hui beaucoup d'intérêt à relancer le contenu de cette notion qui me semblerait pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations. Donc c'est un mot que je voulais rappeler aussi en préalable. Et puis, la deuxième chose, bien entendu, bien que je n'ai le bouquin de notre ami Michel depuis quelques jours, je feuillette toujours au hasard, et par hasard, je tombe sur la page 118 où Michel fait référence à la sécession du peuple, en disant que lorsque le peuple ne se reconnaît plus dans ses institutions, il fait sécession. Alors tout ceci me touche et me fait beaucoup réfléchir, parce que comme Michel le sait, je tiens très fidèlement et quotidiennement depuis le 15 mars 2020 des chroniques que j'ai intitulées chroniques d'un virus global. Et tous les 6 mois, j'actualise mes chroniques. L'année prochaine, ce sera pour le 15 juillet, le semestre.
c'est l'intellectualisation. Alors évidemment, je réfléchis beaucoup à l'évolution du monde à travers le prisme. Et en écoutant la résistance, finalement, semble-t-il peut être considéré comme le premier stade de la résilience. On résiste avant que de réussir peut-être à transformer et à révolver, et comme vous le dites, pour rétablir, voire inventer un autre monde, enfin passer à une autre époque, passer d'une parenthèse à une autre. Alors, d'une manière à la fois très actuelle, mais malgré tout très profonde, qui rejoint ma préoccupation, ce que je souhaiterais demander à considère aujourd'hui, devant la situation que nous constatons, une situation très compliquée, est-ce qu'il considère que les conditions pourraient être réunies pour passer d'une ère des soulèvements qui va sûrement effectivement intervenir, mais pour passer à une phase plus progressive que sera la prochaine renaissance? Et est-ce que l'on peut raisonnablement espérer que l'élite retrouve le peuple? Alors, l'élite retrouve le peuple, je n'en suis pas sûr. Je considère que cette élite, et je m'en explique dans ce livre, reste sur les grands schémas modernes, c'est-à-dire l'individualisme, le rationalisme et le progressisme. Voilà. Et d'ailleurs, le fantasme de la pandémie actuelle, qui est pour moi une psychopandémie plus qu'une vraie pandémie, est une manière en quelque sorte de garder le pouvoir. Voilà. Cela a été dit de diverses manières, ça apparaîtra, à mon sens, de manière de plus en plus forte actuellement. Alors, ce ne sera pas cette élite, mais par contre, il y a une autre élite. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas quelle sera cette autre élite. Hein. Moi, je suis attentif à ces jeunes générations qui arrivent, et c'est ceux-là qui vont, à bien des égards, je dirais, au-delà ou en deçà du pouvoir actuel, prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est ça les résistances actuelles. Il y a un terme que j'utilise très souvent, et qui est un mot très simple, que j'emprunte à un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, et qui parle d'un processus de saturation. Je sale un verre d'eau, je sale ou je sucre, j'ai oublié, un verre d'eau. Jusqu'au dernier moment, je ne vois pas que le verre d'eau est saturé. Et c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que tout d'un coup, le verre d'eau est saturé. Voilà mon hypothèse. C'est vrai qu'il y a du conformisme. C'est vrai qu'il y a actuellement quelque chose qui fait qu'apparemment les gens sont soumis. Les gens continuent à porter la muselière. Les gens continuent à se donner des coups de poing et non pas à se serrer la main, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des quantités d'indices actuellement, index, hein, ce qui montre bien que le verre d'eau est rapidement saturé. Voilà mon hypothèse. Oui, une autre question. Il me semble que l'une des caractéristiques de notre époque, très forte, c'est que la pensée politique s'est radicalement fractionnée. Nous étions globalement sur l'idée de deux grands partis pendant des décennies et quelques partis satellites avec lesquels des accords étaient passés, etc. Et donc, en faisant passer au pouvoir le représentant de l'un de ces deux grands partis, on avait une chance raisonnable de réunir autour de soi une majorité de Français. Ce n'était jamais très nombreuse, les élections se font en 52, mais tout de même. Or, aujourd'hui, nous avons au moins 5, voire 6 grands groupes entre une gauche mélenchonienne et extrême gauche, une gauche autour de ce que fut le Parti Socialiste qui, structurellement, a dégringolé, mais enfin qui existe encore dans les mentalités, un centre qu'a inventé Macron en un an, des Républicains qui existent encore, et une extrême droite dont on ne sait plus si elle l'est encore, si elle ne l'est pas, c'est tout le débat. Et voilà, et peut-être encore un autre mouvement. Bon. Or, chacun de ces groupes représente des millions de gens, des millions. Comment, dans ces conditions, imaginer que nous ne soyons pas durablement en sécession du peuple, avec
les élites, quel peuple ? Et ces jeunes dont vous parlez, qui arriveraient et viendraient remplacer cette élite, mais comment le pourraient-ils avec une telle fraction de la pensée ? Et faut-il s'en plaindre ? Est-ce que le fractionnement de la pensée, donc le foisonnement de la pensée, n'est pas le signe d'une démocratie et d'un peuple qui pense ? Je peux pas le faire. Deux points par rapport à ce que il y a un psychologue très germain des années 30 appelé Robert Lucas, qui a écrit un livre, il y a eu un livre publié en France qui s'appelle La politique, et qui avait fait une critique de la forme partie. Et c'était prémonitoire de mon point de vue, en montrant que cette forme partie devenait oligarchique, hein, c'est-à-dire un petit groupe qui se coupait du peuple, fondamentalement. Et à mon sens, moi je reprends cette idée de forme partie, c'est fini les partis. Voilà, en gros pour dire bref. Hein, dans le sens allemand du terme, la forme, c'est ce qui est formant, ce qui formait la vie sociale. Et vous avez raison, il y a une fragmentation. Et on pourrait multiplier à l'infini, voyez, des mouvements, des trucs comme ça. Alors, oublions ce mot, les jeunes que j'ai dit, ce n'est pas eux qui vont prendre le pouvoir, ce n'est pas là la question. Je disais, ces jeunes générations ne se reconnaissent plus dans les valeurs modernes. Voilà, ils sont porteurs d'autres valeurs, ils s'abstiennent massivement. Les contradictoires. Oui, non mais... Les valeurs contradictoires. Voilà, mais j'entends, alternative. Hein, il faut voir. Vous voyez, par rapport à ce que disait notre ami tout à l'heure, à propos de Léon Bourgeois, quand on tapote sur Internet, les mots qui apparaissent, c'est solidarité, générosité, partage, entraide, des vieux archaïsmes, dans le sens simple du terme, ce qui est fondamental, vous voyez. Et donc, c'est, de mon point de vue, c'est un peu utopique ce que je dis, mais voilà, c'est ce partage, vous voyez, c'est solidarisme, qui va de plus en plus trouver des formes. Alors, quelle forme ça va prendre, j'en sais rien. Mais certainement plus la forme partie. Voilà. Et donc, des formes de soulèvement où il y aura du chaos, mais ordo ab chaos. Il y a toujours un ordre à partir d'un chaos. Le sang va couler, chers amis, malheureusement. Il y a du chaos qui va arriver. Mais rien n'empêche de croire qu'à partir de ce chaos, il puisse y avoir un ordre. Moi, ce que je pense. Merci, monsieur le professeur. Je crois que votre temps étant compté, je vais passer à une conclusion. Voilà, faites votre conclusion. Alors, la première conclusion, c'est que c'est un véritable bonheur que de vous écouter. Au moins, nous ne perdons pas notre temps. Nous sommes là pour essayer de mieux vivre ensemble. Nous sommes là pour renforcer la mémoire, pour retrouver nos racines. Et comme vous le disiez à l'instant, le solidarisme de Léon Bourgeois, il est très caractérisé par son époque, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, d'assurance maladie, d'assurance complémentaire, etc. Et j'en avais parlé avec Michel Rocard, et je pensais qu'il avait beaucoup nourri de ce livre. Parce que Michel Rocard reconnaissait que le marché concurrentiel était le seul marché où l'innovation pouvait se créer. Et que malheureusement, la brutalité de ce marché nécessitait un environnement social et donc une solidarité au niveau des uns et des autres pour pouvoir avancer. Merci beaucoup des nouveaux défis que vous avez présentés, mais qui ne nous surprennent pas beaucoup, la distinction, la rupture entre le citoyen et le politique, et se manifeste à chaque élection par une abstention grandissante. Nous en sommes tous conscients ici, dans cette mairie. Et la réponse, c'est d'aller vers l'autre. Hein, c'est une proximité qui est indispensable pour éviter les affrontements. Alors à nous, à nos enfants, de construire une proximité plus humaine, en coupant peut-être quelquefois la télévision, comme vous l'avez indiqué, et ouvrir quelques bons livres,
Ma grand-mère me disait toujours, le meilleur des amis, c'est un bon livre. Et c'est une très belle formule qu'elle utilisait. Je vous en remercie. Je vais vous offrir deux livres. Deux livres qui ont été créés à partir de nos racines. Le premier, c'est un livre sur le cimetière des Batignolles. Avec quatre camarades, nous avons passé deux mois à identifier les 138 morts pour la France qui se trouvent dans ce troisième grand cimetière parisien. Et à partir de là, nous avons créé un parcours géolocalisé où chaque personne peut aller sur une tombe de l'un de nos soldats et voir son histoire, ce qu'il a fait, c'est-à-dire rendre vivante la mémoire. Parce que le devoir de mémoire est une chose, mais ce qui est important, c'est de rendre cette mémoire vivante et de tous les jours. Et puis, je vais vous offrir un deuxième livre. Alors, notre ami a parlé de ses chroniques pendant la pandémie. Bon, alors je suis un peu concurrent. Au cours de la première pandémie, je me suis demandé comment maintenir le lien social entre les adhérents de notre association, le Souvenir français du 17e. Et donc, toutes les semaines, j'ai demandé à un adhérent de faire un papier sur un thème. Le premier, c'était l'espérance. Le deuxième, c'était les rencontres. Le troisième, c'était l'amour de la patrie. Et au bout de la première pandémie, enfin, le premier stade de la pandémie, nous avions 30 témoignages. Et à partir de ces 30 témoignages, nous avons fait ce livre que je vous offre également, merci monsieur beaucoup, le professeur, et qui est un témoignage concret de ce que des hommes et des femmes ont vécu, ont ressenti pendant cette première période très, très particulière. Alors, je voudrais conclure pour dire que ce cycle sur la résistance organisée par la mairie du 17e, avec le concours naturellement du Souvenir français, poursuivra ses réflexions et vous invite à ces deux prochaines conférences, le 23 septembre, à la même heure, à 19h, et nous parlerons des femmes dans la résistance, avec comme intervenant Jean-Paul Lefebvre-Fillot, qui est non seulement un ancien colonel de gendarmerie, mais également un prêtre orthodoxe, alors, colonel de gendarmerie de réserve. Et puis le 18 novembre 2021, à 19h également, nous accueillerons Père Habib Delon sur le thème « Le résistant, mon père ». Voilà, en quelques mots de conclusion, ce que nous pouvions au niveau de la mairie remercier chaleureusement ce que vous faites, et nous restons à l'écoute de tout ce que vous pourriez nous apporter et enrichir notre propre réflexion. Merci bien. Merci, monsieur.